Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Let's Play, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine sur la JVTV. Est-ce que tout le monde va bien? Une introduction évidemment pour soutenir la ligue de défense des Jojo français, hein, puisque vous savez, malheureusement, suite au squat de vendredi, nous avons appris que personne n'achetait de manga en France, malheureusement. Et que les fans de Jojo remuent plus de poussière que n'achètent finalement les bouquins. On va donc soutenir tous ensemble l'effort de guerre pour make Jojo great again un jour. Aujourd'hui dans Let's Play, nous allons tenter de terminer Spyro 3. Il faut qu'on arrive au bout parce que il y a un moment, les gens veulent du Ratchet & Clank. Ce que je comprends parce que moi-même, je brûle d'envie de jouer à du Ratchet & Clank. Pour continuer cette rétrospective Insomniac Game qui a commencé avec Disruptor tout de même. Mine de rien, on a terminé 3 jeux et on en est à la moitié de celui-là, les 3 quarts on va dire, si je ne fais pas trop de conneries. Il y a eu des moments difficiles dans ce Spyro 3, on a décidé de faire les 10%, c'est-à-dire de ne pas le faire à 100%, mais le jeu, te pousse quand même à aller chercher les objets et les œufs qu'il y a dans les mondes. J'ai d'abord commencé à être assez médisant avec le jeu, car c'est vrai, en ligne droite, le jeu semble être moins plaisant que Spyro 2. Le jeu est beaucoup plus riche, alors après, c'est aussi un jeu prétexte pour faire monter Spyro sur un skateboard, parce que Tony Hawk Pro Skater, ça fonctionnait bien à l'époque. C'est un jeu prétexte pour introduire d'autres animaux qui donnent d'autres éléments de gameplay. Tu voles, tu boxes, tu sautes haut avec un kangourou. Il y a un jetpack, complètement un jetpack. C'est, disons que c'est un jeu qui est un peu plus fouillis, mais il y en a plus, du coup, que dans les autres versions. Il y en a plus, mais tout en bordel. Donc c'est un peu étrange le truc sur Spyro, mais dans l'ensemble, étant donné que bon, il n'y a pas non plus d'idée spécialement révolutionnaire par rapport aux deux. On donne des plus, il n'y a pas que des choses qui sont retirées, tu vois, il n'y a pas qu'une mise en abîme, mais une condition de truc. C'est pas grave non plus si le PNJ que tu sauves, il te raconte pas sa vie, c'est pas grave s'il n'y a plus la map d'accessible, c'est pas grave si... Peut-être c'est pas grave si tu joues pas tout le temps Spyro, c'est pas grave s'il n'y a plus de montée en puissance de Spyro, si t'as tous les pouvoirs d'entrée. Mais vraiment, tout ça, c'est pas très très important. Le singe, pas encore, il me semble que c'est dans le prochain monde. En tout cas, le fait est qu'on va continuer Spyro. On a les crêpes, les restes de la Chandeleur. J'espère que les crêpes et de la pâte à tartiner d'une marque dont je tairai le nom. Donc on va se manger des crêpes tout en jouant à Spyro. Aujourd'hui, je pense que ça va le faire. Je pense que... elles ont une bonne odeur de rhum. Ils sont magnifiques. Je pense que ça va grandement le faire. Hein, et j'espère en tout cas, car nous sommes arrivés dans la suite des mondes, que nous allons pouvoir, enfin tuer le troisième boss, hein, puisque là, comme vous voyez, on est à Charmed Ridge. Il y a pas mal d'œufs à avoir justement dans ce monde-là, et une fois que l'on aura terminé les œufs de ce monde-là, c'est le goûter, c'est le 4 heures. On est tous en 4 heures ici. Bah oui. Une fois qu'on aura terminé ce monde là, on sera normalement un peu plus en mode Alors ce qui m'emmerde là, c'est que j'ai l'impression que je vais devoir quand même tout me recommencer, parce que j'ai fait n'importe quoi le dernier coup, c'est ça? Ouais. Après c'était possible si je faisais n'importe quoi le dernier coup. Non, merci, s'il te plaît, ne fais pas ça. C'est possible que j'ai fait n'importe quoi le dernier coup. Il y a eu une session de jeu où j'ai été catastrophiquement calamité. S'il vous plaît. Ah oui, puis là c'est Wizards of the Coast. J'avoue, les magiciens, ils sont pas très sympathiques. Crêpe au sucre. Je sais pas ce que vous avez tous avec les crêpes au sucre. Je suis pas un fan de la crêpe au sucre. Boum. Voilà, je les ai tous dégagés. Ok, ok, d'accord. Et c'est là où après j'ai tout raté mon exercice. D'accord. C'était là où je m'étais complètement foiré, puisque j'avais eu cette volonté. Voilà, appuie sur le flat. Voilà, et là je peux passer. Comme ça. Parfait. Ce qui va me permettre d'aller cibler de lui.
Ah merde, il va quand même toucher. Bon, ce qui signifie que j'ai déjà plus de trucs. Je me demande si je me suis même pas tapé un game over. Hein, du coup, ah, je me suis tapé du gars, ça fait chier. J'ai déjà plus de IV quoi. Oh, t'es sérieux? Déjà plus de vie, ça me fait un peu chier le même zombie. Je cours. J'aimerais bien avoir un peu de. Un truc qui redonne de la vie. Y'a pas un truc qui redonne de la vie par contre. Je peux pas sauter par dessus. Tu sais quoi, ça c'est une sauvegarde, mais t'as pas de vie. Je sais que on a pas de temps. Ouais, ok. Juste que sauvegarder. Ah ouais, mais sans le. Sans le mec là, ça va un peu saouler. Il va me falloir absolument que je récupère de la vitesse. J'ai perdu. Ah voilà, c'est ça. Il y a un office. Je me demande si l'off me redonne de la vie. Non, je crois même pas. Benjamin. Parfait, Benjamin. On t'en veut pas. Voilà. Et grâce à ça, du coup, reste pas là. Quelques diamants. Grâce à ça, en passant ici, normalement, je devrais pouvoir tuer les mecs. Ah, comme ça. Oh là, j'en ai tué deux là. Hop, je fais partir ça. C'est pas grave si le truc m'abandonne. Voilà. Voilà. Et là, après, je vais pouvoir tuer eux. Bon, après, le truc, c'est que le jeu m'invite à faire le tour quand même. Et une fois qu'il fait le tour, après, je pourrais viser. Arrêtez de faire le con. Juste en jouant proprement comme ça. Après, je dois me décaler quand même pour aller viser lui. Ah! Vise. C'est bon? Ce qui veut dire que ça, c'est toujours déployé. J'ai pas réglé le problème 2, c'est ça? Ça veut dire que là je vais devoir courir et je l'espère ne pas me prendre son attaque à lui. Non, c'est bon. Je suis pas cool. Impeccable. Donc maintenant plusieurs choix s'offrent à moi. Je pourrais descendre là. Là il y a un peu de flotte. Et à mon avis c'est pas idéal. Je pense que ce que le jeu veut que je fasse. Je remonte là-dessus. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'était que ça? Ah oui, d'accord. Je veux que j'aille là, mais alors ouais, c'est chiant. C'est vrai que ça m'aiderait bien d'avoir un petit peu de. S'il te plaît, Spiro, ne tombe pas, ne sois pas con. Le son du jeu est trop fort. Excusez-moi, pardon. Pardon. Bon, ce son du jeu est trop fort! Oui, Cardel! Désolé! Pardon! C'était les crêpes! J'étais absorbé par le jeu, c'est la faute des crêpes. Merci, Cardel. J'ai pris un flat directement dans les dents. Hein. Vous aurez remarqué, bon, c'est pas grave, au moins il m'a redonné ma vie. C'est très bien comme ça. Je me demande où ça mène ça d'ailleurs. Écoutez, je vais la tenter comme ça. Je vais la tenter en venant, en prenant ça. Je vais aller là, d'accord. Faut quand même que je les détruise. C'est bon, j'ai eu les deux. Okay, je l'ai eu. Lui, je l'ai eu aussi, parfait. Je vole. Et si je vise là. Ah, dommage! Si, je l'ai eu quand même. Ok, voilà, et du coup, il m'a libéré d'accès. Parfait, impeccable. Bon, c'est mieux comme ça. C'est pas encore idéal, mais c'est mieux. C'est mieux là, non, le son, non? C'est mieux, hein? Non, ça va mieux? Désolé. Hein. Désolé pour le son. Bon, alors attendez, je vais essayer de là, ensuite c'est comme ça. Ensuite, je saute directement là, et je vais crash avec. Parfait. Ah, c'est quand même technique. Hein. C'est quand même bien technique, hein, le nombre de trappes qu'il y a. Vers les derniers mondes,
Non, s'il te plaît. Boum. Ah, je me souviens y être déjà allé ici en plus. Ok. On va faire le tour. Je vais tout péter comme ça. Je vais voir ce que je peux retourner de ça. Enfin, retirer, on va dire. Normalement, c'est du Freeliams. Ouais. Je récupère tout ça vite fait. Voilà. Et ensuite, je vais au centre. Parfait. Au centre, normalement, j'ai les magiciens que je peux tuer. Les câbles. Ok, ça me donne accès à la fin. Waouh, mais c'est la fin, ça. Oh, ce motard. Ah oui, puis j'avais fait n'importe quoi à la fin, c'est ça. J'avais fait n'importe quoi à la fin. J'avais fait n'importe quoi, ça y est, je me souviens. J'avais sauté dans le vide parce que je croyais que je pouvais avoir les vies là-bas. Ce qui est une grosse erreur. Tu vois, les vies, là, je voulais les vies. Bon, attendez. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir ici. Je vais voir si je peux pas retrouver d'autres trucs. Parce que là, je suis sûr qu'il y a des trucs, là, juste à côté. Tu vois, déjà, rien que là, il y a des... Il y a le haut du château auquel tu peux avoir accès. Et ouais, ça donne... voilà, ça donne accès à un monde caché, là. Et le monde caché... Oh là, ouais, c'est d'accord, c'est monsieur machin. Monsieur machin, il fallait faire quoi? Je crois que je l'ai pris, celui-là, et je m'étais... Ah ouais, 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 c'était dur. J'avoue, c'était dur. Ouais, c'était dur, ce niveau. Bon, allez, on essaye. On essaye, monsieur pingouin, c'est parti. Ok, bah, c'est déjà perdu. Ok. En fait, c'est quand vous voulez que vous êtes touché par mes tirs. Tu vois, c'est sympa, mais là... En fait, la première salve ne me donne pas accès au truc. Wouah, skill point. Wouah, d'accord, ça me donne une vie. Sympa. Je voudrais la dernière sorcière, s'il vous plaît, elle est là. Ouais, je l'ai. Bon, ça, ça me donne rien, malheureusement. Ce qui me donne, c'est la prochaine. Voilà, c'est la prochaine qui me donne les trucs. Donc là, après, je me demande si... Je peux sortir de là. Non, d'accord. C'est fermé. Là, je suis touché quand même. Là, faut vraiment que j'en tue 10. The Witcher. Combien il me reste de trucs? 4, j'ai fait. Ok. Ok. Ok, 8. 9. 10ème, elle est derrière. Ok, là on est bien. Voilà, parfait. Et là tu me donnes un œuf? Sérieux? T'es un peu dur quand même. Ouais, mais en même temps, si le truc me tire dessus. Ah ouais, tout ça pour un œuf, faire 3 missions, c'est... C'est un peu rude, je trouve. Allez, vise-les bien, vise-les bien, vise-les bien, vise-les bien. Faut pas toucher le sol, sinon, à mon avis, c'est la mort. Tire bien, tire bien, tire bien, tire bien, tire bien dedans, tire bien dedans. Je crois que je l'ai eu. Ouais, plus qu'un. Ouais, je l'ai eu. Impeccable. Ah bah, je m'en suis beaucoup mieux sorti que le dernier coup. Waouh, faut quand même faire les 3 séquences pour un œuf, hein. Ça vole pas les pingouins, mais les pingouins jackpack, ça peut voler, croyez-moi. Ce qui me fait 61 œufs. Il me semble que ça me donne accès au dernier stage. Ah ouais, d'accord, mais pourquoi lui il est là encore? Attends. Ouais, ça c'est pour des diamants. Ok. On a juste Signed. Allez, mange. Parfait, je vais quand même essayer d'aller le tuer. Voilà, alors qu'est-ce qu'il me donne à part ça? Il libère pas un endroit? Il n'y a pas un endroit qui est... C'est pas grave.
Après, je dois bien vous avouer que c'est le côté... ça retourne au début. Le côté saut de l'ange ici était sexy. Après, si je tombe, je pourrais quitter le niveau. Donc, je vais réessayer. Voilà. Exit level, comme ça, je perds pas de vie. Parfait. Parfait. Donc là, comme j'ai terminé ce niveau-là, normalement, j'ai tous les PNJ pour aller dans le monde suivant. Donc là, on pourrait se taper le boss. Mais... Donc, si je dis pas de conneries... 65, ouais, c'est ça. Ah, mais rien du tout. En fait... C'est chiant. Parce que je sens que je vais arriver au prochain monde et que j'aurai pas assez de... J'aurai pas assez de vie, à mon avis. Tu sais, ça sent la connerie comme ça. Genre, je vais aller dans le monde suivant, mais... Comme j'ai pas assez de vie, c'est mort. Bon, ça, c'est le boss. On tente le boss. Normalement, c'est bon. Et c'est vrai qu'avec 75 œufs, j'aurais... What? The rocket's fuel. Ouais, ready to go. Très bien, bah, go. Qu'est-ce que tu me fais? Ah oui, d'accord. Ok, donc là, pourquoi est-ce que ça change de couleur à chaque fois? Donc c'est Sunrise Spring dans lequel il faut que j'aille. Alors, et là, il y a boss. Normalement, là, il y a boss. Returning? Ok, donc c'est moi qui fais n'importe quoi, c'est ça? Je me souviens plus du nom des stages. Midnight Mountain? Vert égale boss? Oui, voilà. Vert, ça veut dire que j'ai eu un boss à chaque fois. Non? Vert égale boss. Ah voilà, c'est. C'est la suite! Vous avez vu, la magicienne, elle s'est un peu dévêtue. Oh, d'accord, donc lui il a vraiment le seum contre les dragons. Je vous rappelle qu'ils se sont disputés avec le roi des dragons il y a très longtemps. Et du coup il les a bannis de ce monde là. Ça vaut pas coco de Crash Bandicoot hein, quand même. D'accord, rien à foutre s'ils sont morts tant que je peux récolter leurs ailes. Tu fais tout ça pour leurs ailes? J'ai besoin de leurs ailes pour un sort, d'accord. Juste un spell? Ah, tu veux tuer des dragons juste pour faire un sort? Qu'est-ce que tu veux? Quoi ça sert les dragons? Ouvrir un zoo? C'est vrai que j'ai pas libéré encore le macaque. Bah, tu t'en rends compte que maintenant, d'accord. Donc, Rash Kit. Donc là, elle a quand même le pouvoir normalement de l'anéantir en deux coups de sceptre, mais elle va pas le faire. Et là, on va attaquer le dernier monde. Ok, donc lui, pour se venger. Oh là là, mais quel méchant. Il est vraiment méchant. Hein. L'aventure continue. Il est vraiment méchant, hein. Et pourquoi est-il aussi méchant? C'est vraiment de la méchanceté. Ok, voilà le boss. Donc c'est là où je vais perdre toutes mes vies. Alors. Oh cool! Salut toi! Ok, donc il faut peut-être que je fasse quelque chose pour que tu puisses le détruire. Okay. Déjà je vais faire le tour parce que voilà, le bordel de... Ah c'est violent, c'est une grosse attaque. Comment est-ce que je peux le toucher? Ah oui d'accord, comme ça je peux. J'ai pas tout compris. Désolé les gars. Ok. Ok, donc visiblement, à chaque fois, ça fait une nouvelle. C'est une nouvelle arme ça. Ok, bon, par contre, ouais, j'ai été trop imprudent. Beaucoup trop imprudent.
que je peux augmenter mon... Qu'est-ce que c'est que ça? Des mitrailles, mec, des mitrailles. Lui m'aide bien, mais... Ouais, je lui fais mal quand même, là. D'invincibilité, ça fait chier. Je suis mort. Son truc d'invincibilité, ça fait chier quand même. Mais ça va, ça va. Je pense qu'il est, il est abordable. Je vais me décaler. Oui, ils sont un peu cons. Je le touche ou pas là? Oui, je le touche. Ce n'est pas si mal que ça, ça. Allez. Toucher ou pas? Ouais, ça va le toucher forcément. Non, d'accord, pas tout le temps. On va voir du rouge plutôt. Le rouge était plus efficace. Je vais le laisser se déplacer. Ah, déplace-toi. Et là, pourquoi je l'ai pas touché? Ah, c'est un mystère. Ok, dégagé. J'ai encore ça. Ok, bah touche-le là. Ça rattache. Merci. Sincèrement. Sincèrement, cette... enfin, les rouges sont largement meilleurs que les verts. Enfin, le vert, peut-être ça fait plus mal, je sais pas, mais. J'arrive pas à le toucher avec le vert. Tu vois, il fait le tour, mais il atteint pas. Bon, après, je dois tirer vraiment peut-être comme un glandu. Je suis pas mort, non, c'est. Je pense que tire comme un glandu parce que le boss a pas l'air compliqué. Voilà. Je lui tire en pleine gueule, d'accord, ok. C'est vrai que si je veux, je peux prendre énormément plus de risques. Allez, vas-y, tourne. Tourne, 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 mec. Fais ton rigolo, fais ton rigolo. Il fait mal, lui, quand même. Ok, j'ai plus de fla. T'as le droit de cracher, ok. Bon, j'ai pas craché au bon endroit. J'ai inversé les boutons tourner, cracher. Connard. Quelle bande de cons. Mais cassez-vous. Ça sent le zéro de vitesse. Ah non, je suis pas touché. Ah si, je suis touché. Aïe 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 aïe. Il était juste à côté. Boss risque d'avoir un pépin. Non, ça va, ça va. Il est jouable, le boss. Il est jouable. Touche-le quand même. Toi, je l'ai touché deux fois. Allez, vas-y, tourne, tourne, tourne. Merci. Toi, je lui envoie directement pleine gueule. Y'a aucun souci. Hop. Voilà. Par ici direct. Par contre, ouais, je l'ai vraiment pas touché là. Étranger. Allez, mais tourne, 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 tourne. Là, je te raterai plus. J'arrête pas de le tirer à côté, c'est un peu. C'est un peu relou. Merde! T'es sérieux? En fait, lui se cache derrière ses potes, quoi. Ah, c'est vraiment relou. Hein. Ouais, je suis mort. Il me reste encore de la vie. Je vais assez loin, ouais. C'est bon. Prochaine balle qui prend les morts. Voilà, merci. Impeccable. Impeccable.
Ouf. Ça donne quand même un 9, mais 62 les mecs. Putain, j'aurais devrais en avoir 65, franchement. J'aurais peut-être plus cherché dans les premiers mondes. Ah, c'est vrai que lui s'est fait enlever. Quel sac. Presque first strike, presque. Ah, mais du coup, c'est l'amour. Ah, c'est le moment, de se faire une petite crêpe. She's gonna kill all the dragon heads. Oh non! Wait a minute. Why should I trust you? C'est vrai, pourquoi est-ce que je te ferais confiance? T'as essayé de nous tuer 30 fois. You're in a cage, you furry numbskull. T'es dans une cage, espèce d'abruti. Tu crois que tu peux faire confiance à qui? I don't know. You sorceress types. Il a pas l'air très très malin, le tigre. Ah, parfait. Come on, we don't have time for this. Elle le libère! C'est l'amour. Et là, il y a quoi? Il y a une chanson qui part. City of stars, are you shining for me? City of stars. Ok, donc où suis-je? Qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi existe-t-il? Bonjour. Bonjour, nouveau monde. Ah, la magicienne. Non, je ne te fais pas confiance. D'ailleurs, pourquoi est-ce que le roi ne t'a pas tué? Ok, donc c'est bien le dernier monde. Parfait. Bon appétit, hein, si vous êtes chez vous. City of Stars. Bon. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Je vous en supplie. Laissez passer le détective. Merci. Donc, comment est-ce que ça marche tout ce bordel? Fla! Oh, j'entends un nananana. Vous avez entendu un nananana? Oh, ouais, vous entendez un nananana. Je sais pas pourquoi ça sent. Je sais pas pourquoi ce nananana sent la mort. Vous le sentez, la mort? Vous me voyez jeter dans le vide là comme un gros con? Oh là là. Oh. Ah, je l'ai pas eu. C'est presque là, mais il me faut des œufs là, sinon je vais être à court. Donc, je vais essayer de le rattraper progressivement sans tomber comme un gros con. Mais ça sent la mort. Je vous dis officiellement, ça sent la mort. Je sens que mon apex. Je sens que mon apex. Ça, c'est pas bon. Voilà, je l'ai. Ouf. Merci. Ah. Alors, une fois que j'ai récupéré ça. Donc déjà, ça, c'est fait. C'est rien que ça, c'est le gagné. Je vais prendre un peu de trucs. Je sais pas s'il y a des trucs à ouvrir là. Il y a l'air d'avoir plein de trucs cachés dans ce stage. Waouh. Ah, j'ai gagné une vie, ça c'est bien parce que le nombre de vies que j'ai gaspillé dans ce jeu. Y a-t-il des mondes ouverts? Je cherche des mondes. Je cherche des mondes. Quoi? 80? 89. Bon les gars, je sens qu'on va retourner au début hein. Ça vous dit de faire un petit 100% du jeu là parce que... 100. Oh, on avait pas dit qu'il fallait autant d'œufs quand même. Ah, parfait. Non mais au bout d'un moment, je vais aller récupérer les premiers œufs. Au bout d'un moment, c'était une idée à la con de pas vouloir faire le 100% de toute façon. Alors comment je me téléporte? Je sais pas si je peux vraiment me téléporter en fait. Je vais retourner au début déjà. Donc là il y a le premier monde, c'est ça? Crystal Island. Non bah écoutez, moi je vais retourner au tout début du jeu. Je sens que je peux avoir tout un tas de cristaux si je le veux. Sans avoir à me faire chier. Franchement, Sunrise Spring c'est le premier monde. Déjà elle est là, je vais voir dans ce Iron Spring ce que j'ai raté.
Je vais voir ce que j'ai raté parce que, tu vois, en fait, c'est comme dans Mario 64, tu peux pas trop rusher le jeu. Même si je trouve que c'est quand même un peu bizarre. Enfin, tout ce que tu dois récupérer. On va faire Select. On va voir un peu ce qu'il y a. Donc déjà, dans Sunrise Spring, Head Bash The Rock. Donc là, il me manque un œuf dans celui-là. Ensuite, il me manque des œufs ici. Il manque un là, deux là, trois là. C'est quoi ça, Mushroom? Putain, dans les Speedway, il y a autant d'œufs! J'aurais jamais dit. Head Bash The Rock. Vous savez quel rock est-ce que je dois démolir? Pour ça? C'est un rocher ça. Ça a l'air d'être un rocher ça. Voilà, parfait. Pleure pas, petit, pleure pas. Dans le speedway, c'est comme dans le 2, d'accord. Donc là, j'ai tous les œufs. Maintenant, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a? Molten cratère. Bon, je vais aller là-dedans. Ah, c'est vrai que Spyro et Zelda Switch. C'est pas trop pareil, les gars. C'est vrai que. Alors. Remplace Idle Heads. Bon, déjà, il y en a plusieurs. Visiblement, faut que j'aille un peu plus au centre de la lave. Hop, par ici. Ah ouais, lui, c'est un vrai méchant, lui. Le cochon. Oh, s'il te plaît. Il y a deux ennemis dans le jeu. Ok. Je peux pas rentrer là-dedans. La base. Allez, donne-moi la clé là. Alors, à quoi me sert la clé? Pourquoi est-ce qu'il vole lui? C'est une vraie question. Pourquoi est-ce que ce mec vole? Est-ce que la clé je l'ai récupérée ou pas d'ailleurs? Il m'a sauvegardé quelque chose ou je recommence dès le début? Toujours aussi problématique de tourner la caméra ici. Ouais. Toujours aussi problématique. Alors attends, ça c'était la sortie du niveau, donc ça c'est la fin du niveau. Ok, je pense qu'ici doit y avoir un œuf en plus. Mais à quoi sert cette clé? Le coffre au tout début pour la clé. D'accord. Ok, donc que faut-il faire? Faut les détruire eux? Salut. Ok, donc c'est ça les idoles Head. Ok, normalement j'ai un flat. Voilà, d'accord. C'est bon, j'en ai un. Eh merde, j'ai été touché. Écrache ta merde. Merci. Ok, donc. Où est-ce que. Monsieur les Toutankhamon. Maintenant, je cherche l'idole. Où est l'idole? Oh! Oh oui! Oh, caméra sur 20. Ah oui. Tu me fais du bien la caméra. Tu peux le poser dessus, t'as le droit. Ok. Donc, ensuite, faut que j'aille récupérer d'autres têtes. Toutes les idoles sont là. Normalement, là-dessus, ça devrait se détruire, ça. Voilà. Hop.
Luna un petit œuf. Et ensuite je dois récupérer toutes les têtes. Il y a deux œufs manquants avec le pingouin. Bien joué les gars. Je l'ai trouvé celui-là. Je vais essayer d'aller chercher les autres. Ça c'est une Yves ou pas? J'aurais bien eu besoin de la vie. Le pingouin c'est stylé hein, franchement. Ah mais en fait eux ils revivent à chaque fois. C'est... J'arrive pas à les signer du coup. Gros pingouin. Ok. Quelle tête est-ce que je dois remettre? Hop là! Doucement, où est-ce que tu vas mon petit? Remets la tête. Remets. Et vous avez perdu la tête! Très bien. Ok. Là, il n'y a rien. Par contre, ici, à mon avis, il y a des trucs. À moins que ce soit de là d'où je suis venu le dernier coup. Ça ressemble à des trucs que j'ai fait, ça, non? Ça, je l'ai fait. Poussez-vous. Laissez passer le détective. Ok, donc ça, je l'ai fait. Ça détruit, ça? Non. Je vais tenter ici. Voilà, il y a une tête ici. Parfait. Il a fini de cracher en plus, lui. Oups. Oh, attends. Hop, hop. On descend. Quelle récupération incroyable! Monsieur Pingouin! Merci. Poussez-vous, s'il vous plaît, poussez-vous. Donc, tête là. Tête, tête, tête. Parfait. Où est tournée la tête? Mon manager, moi, c'est toi. Avec toi, il est toujours à la fête. Où est la dernière tête de gland? Ici? Ça a pas l'air d'être là. C'est là? Non, c'est pas là. Où est la dernière tête? Dans le... Dans ça? Ah non, c'est de là d'où je viens là. Ah bah oui. Prends ça, bordel. Allez, c'est bon. Ça va me faire le dernier neuf. T'es sérieux? T'es sérieux? Je dis non au moukoubinisme. Où est la dernière tête? La dernière tête, elle est là. Allez, et ça, ça donne 9. Voilà, ça fait déjà, toi, 2... Ah! C'est la précision. Tu peux lâcher la tête avec carré. Ok, donne-moi un 9. Donc, normalement, ceci me permet de récupérer tous les œufs. Youhou! Voilà, et là, il me dit, c'est bien, t'as tous les œufs, c'est ça? Voilà, parfait. Je sors. Déjà là c'est mieux. C'est mieux. Et j'ai pas besoin de la clé. Ça c'est pour les diamants mais on s'en fout. On s'en fout des diamants, on s'en fout. On va collecter plus d'œufs pour essayer au moins d'avoir les 100 quoi. Rien heurt. Alors attendez. Avant de récolter des œufs, donne-moi donne-moi de la vie. Donne-moi des vies. Ah, merci. Ok, alors retournons un peu plus dans le stage. Je suis sûr que j'en ai raté plein des trucs. Lui par exemple. Ah non, lui par exemple c'était. Ah lui c'était chiant chez la app. C'était vraiment chiant. Donc là je les ai tous. Sunny Village. Il m'en manque beaucoup dans ce. Ah ouais, dans Sunny Village quand même. C'est le premier niveau. Ça veut rien dire. Ça, Sunny Village, c'est ça? Allô? C'est le premier niveau, Sunny Village. Fais les mini-jeux de Spark. Bah déjà, il faut que je sache où ils sont. Salut. Ça va? Un peu bizarre hein, comme premier village d'ailleurs, lui. Ici. Donc, qu'est-ce qu'il fallait? J'ai bien 3 vies. Ah oh, ouais, merde. Lizard Skating 2, ouais, j'avoue. Ah, le skate.
J'avoue, il y a le skate. Ah, le skate, par contre, c'est pas des bonnes idées, hein, je suis désolé. Je suis profondément opposé. Ah, je l'ai tellement craché dessus 30 fois. Je suis profondément opposé au skate. Hein. Thanks. Alors, où était le skate? Par là, non? Pourquoi tu cours, toi, gamin? C'est plus où était le skate. C'est passé par là, c'est quoi ça? Ça, c'est la fin. Donc, ça, c'est la sortie du niveau. C'est pas vers la fin, généralement, qu'il y a les trucs cool. Ça monte là, ça a l'air cool ça. Voilà, c'est ça. Je me voyais bien que c'était une bonne idée. Salut, salut, tout va bien, ouais. Hi, Spyro. Hi, Spyro. Ok. Et de un lizard. De deux lizards. Oh, exagère. Je peux leur cracher dessus en plus. You, je vais me casser la gueule. C'est bon. On ne voit rien, on est d'accord? On ne voit rien, mais c'est pas grave. Donnez-moi le flat. Ah, s'il te plaît, Spyro, te casse pas la gueule, merci. Ok. Bien, je l'ai eu. Je fais demi-tour. Parfait. Je saute comme ça de façon totalement innocente. Je fais demi-tour. Parfait. Je casse pas la gueule, Spyro. Oh, allez, Spyro, un backdoor front grind. Backdoor front grind, c'est facile à faire pourtant. Je sais pas si ça peut juste les récupérer, les électrochaunes. Où est-ce qu'il est? Je sais qu'il y en a un qui a tenté de courir là. Je sais qu'il y en a un ici. Tiens. Salaud. Voilà, parfait. Ça fait 7. Ok, allez, on continue. Là, il y en a un là. Je l'ai eu. Là, je suis mort. C'est pas grave. Limite, je sais même pas, j'ai pas besoin du skate pour me les signer de. Ah, si, j'ai pas le skate, il flat. Logique, faut utiliser le skate. C'est les fans de Tony Hawk. Je l'ai eu, hein? Ouais, c'est bon. Je l'ai eu, ça fait 10. Et maintenant, faut que je prenne les bons endroits. Il se casse la gueule par l'arrière? Oui, d'accord. Raté. Je l'ai eu lui. Et l'autre est raté. Alors, attendez, j'en ai vu un tout en haut là. Je l'attends. Tout ça m'intrigue. Tout ça m'intrigueur. Ok, donc lui je l'ai eu. Maintenant ça mène où ça? Ça mène nulle part. Comment est-ce que je vais en haut là? En passant par le bas? Merci. Comment je vais en haut? Comment j'atteins cette plateforme là? Ici? Ah, c'était là. Youhou! C'était pas comme ça. Je recommence. Aïe, recommence. Il en reste plus que 3 à Signed, hein, ça va le faire. Un peu mon élan. Attendez, avant, il en reste un là, je crois. Il y en a un que je peux me faire ici. Là, parfait. Ensuite, je vais là.
Parfait. Saute. Je me fais lui. Il reste le mec au fond. Qui était facile à cibler. Voilà, parfait. Hey, that was great. Non, il faut faire les trucs, hein, de toute façon, dans le jeu, il n'y a pas trop le choix. Tu vois, lui, il est censé être kidnappé, mais... Ah non, c'est vrai qu'on vient de le libérer, d'ailleurs. Emily. Quoi? C'est pas fini encore? Encore? Attends, mais il y en a combien? Non, mais c'est bon. Ah non, mais c'est le... Quoi, c'est le chrono? Attends, le chrono, il compte, là? Genre, c'est en mode... c'est le Tougeki? C'est en mode Tougeki ou pas là les gars? Hein, c'est en mode Tougeki? Ah putain. Ah la saloperie. C'est en mode Tougeki pour un œuf là ou pas? Ou je perds mon temps? J'ai juste regardé le chat. Oui, si tu réussis pas le chrono, pas d'œuf. D'accord, oui, d'accord, mais il y a un œuf quand même à la clé, je veux dire. Avec le chrono, il y a un œuf à la clé. Ok. Ah ouais, d'accord, et tu tombes de la planche. Au revoir. C'est sympathique, hein. Un peu rude. Un peu rude, Michel, quand même. Hein. Je trouve ça un peu dur, hein. Putain, ça laisse aucune place à la... À la pitié. C'est sans pitié, hein, quand même, hein. Ok, il y en a encore un derrière. Ouais. Bien. Bah écoutez, on va essayer, hein. Ok. Ok. Ok, ça c'est pas grave. Juste que je me casse pas la gueule après là. Voilà, déjà là, me casse pas la gueule. Non. Putain. Oh, too bad. C'est un peu relou. Alors, on va essayer. Non mais je pense avoir une certaine forme de maîtrise maintenant de l'outil. Je vais me faire ça. Voilà. Certaines formes de maîtrise de l'outil. Je fais le truc chiant d'abord. Ok. S'il te plaît, que te casse pas la gueule, merci. Donc 7 à avoir. Je fais le centre en premier. Ok, ensuite lui. Parfait. Ensuite lui. Ne te casse pas la gueule, Spyro. Merci. Je retombe sur ma planche. Câble. Retombe sur la planche. Nickel. Ensuite à coup, on passe là-haut. C'est pas grave. Lequel? Comment je l'ai, lui, là-haut? Je fais n'importe quoi là. Je fais n'importe quoi, je vais mourir. Je l'ai comme ça. D'accord. Je l'ai comme ça. Et ensuite, donc il m'en manque plus qu'un. C'est celui qui a là-haut et qui sait Signet. Voilà, bah c'est fait. Non, franchement, il faut juste pas tomber de la planche. Le défi du temps, il est zéro.
Faut juste pas tomber de la planche. Tu tombes pas de la planche, ça va. Ok, donc là normalement il n'y a plus de défi. Où j'en suis dans ce stage là? Ok. Hop to Rapunzel. Hop to Rapunzel. Si, il y en a encore. Coucou. Il y en a encore. Non, c'est pas si dur. Non, c'est pas si dur. Franchement, je dois bien vous avouer que j'étais parti un peu du mauvais pied quand même. Mais là, il y a pas Rapunzel. Oui, c'est réponse, ouais. C'est kangourou les deux derniers. Je vais sortir de cette zone-là. Non, je suis parti du mauvais pied sur ce Spyro 3. Vraiment. Sincèrement, vraiment. Mais parce que je voulais le faire vite pour passer à Ratchet & Clank, alors qu'en fait, en prenant plus mon temps, je serais allé plus vite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, voilà Rapunzel. Salut, ça va? Chicken, ah, qu'est-ce que tu me dis? Chicken turn up, I hope it's not only one left. Je le fais cuire, moi, ton poulet. D'accord, poulet, hein, poulet, donc poulet, piou piou piou. Elle est où réponse? Je cherche réponse. Ah, peut-être par là. Oh. Non, s'il te plaît, arrête de courir. Tu vois bien que t'es ridicule. Tu vois bien que ça sert à rien. S'il te plaît, ne cours pas. Ne cours pas sans qu'il n'y ait de raison comme ça. Ah, y a des trucs ici. Hein. On le voit. Hein. On le sent qu'il y avait des trucs là-haut. Il y a des trucs là-haut. Quand j'y vais là-haut. Ok, faut que j'aille sur la tour. Déjà, lui, il m'énerve à courir depuis tout à l'heure. S'il te plaît, va mourir. Donne-moi une vie, toi. Non? Il y a une tour. Faut que je grimpe en haut de la tour, là. Comment je grimpe en haut de la tour? Ici. S'il te plaît. Fla en entière. Bah gros point. Tu m'as défoncé. Ok, ici. Très bien, parfait. Okay. Donc partant de là. Ah, c'est pas ça, c'est pas la fin. Impeccable. Trouvé. Je t'ai trouvé. Trigger, merci. Ah merde, la verre est câble. La caméra s'est cassée la gueule. Putain, mais cette caméra, elle est tellement dissidente en ce moment. Attendez, je vais essayer de la remettre à l'ancienne. Je vais la remettre à l'ancienne. Dites-moi ce que vous voyez. Dites-moi si c'est grave. Bon, elle est pas très droite, hein. Elle est un peu flat. Bon, elle est un peu flat, mais là pour le moment j'ai pas mieux. C'est pour éviter que ça se casse la gueule. Ne tombe pas comme un sac à caca. Donc là il faut que je remonte. Je sais pas à quoi ça sert le poulet là. Le poulet visiblement voulait me dire quelque chose, mais. Ouais. Par ici, par là, par là. Ok, par là. Impeccable. Rendez-nous la Bericam. Ok, c'est plus par ici, non? C'est ça, un kangourou. Alors, kangourou, moi, je déteste. C'est pour moi le pire familier du jeu. Le kangourou. Mais il a un œuf à se faire, donc on va voir, on va essayer. J'ai rien que le... Ok. Bon, j'ai réussi à sauter déjà. Plutôt une bonne nouvelle si j'arrive à faire le double saut. Ok. Pour le moment, c'est du simple.
T'es sérieux? Ah là là, mais je déteste. C'est vraiment, c'est le pire familier de l'histoire. Dégage. Alors là, je ne sais pas où je vais, donc je saute au pif. Tout est à l'aveugle, la caméra se met mal, c'est... horrible. Voilà. L'ennemi qui pop derrière la caméra. C'est un enfer. Sur les actions de ce putain de kangourou. Mais arrête de tourner la caméra, je... Ah ! Ouais. Fallait faire quoi, Auguste ? Je vais sauter là. J'ai pas d'autre idée. D'accord, rien. Il a le regard aussi vite que moi. On va regarder. Ok. Je suis déjà passé par là. Voilà, il y a l'air d'avoir approximativement du vide. Et par ici, c'est là où je viens, quoi. C'est pas la joie, hein. Et si seulement le truc pouvait se tourner bien, quoi. Par là. Putain, je vous jure, on dirait Bubsy. Sincèrement, c'est Bubsy, hein. Ce stage-là. Vas-y pour piffrer. Ah la vache, fille. Faut peut-être tous les détruire, les mecs. Je suis mort. Oh, putain. Oh, mais quel enfer, je vous jure, c'est quel... En fait, c'est juste parce que j'ai raté un garde que ça se passe passer comme ça, c'est ça? Je crois que c'est juste parce que j'ai raté un garde. Il fallait pas que je le rate. Je crois que c'est juste ça. J'ai dû rater un garde. Mais non, mais putain, mais... Pire familier du jeu. Oh, putain, quelle saloperie. On sait pas. Sincèrement, ce qui se passe ici, on sait pas. J'utilise le double son fin. Je sais que ça va faire plaisir au chat. Ne ragez pas. Ne ragez pas devant mon skill. Double saut, double saut. J'avais oublié qu'il y avait le double saut. Qu'est-ce qu'il y a par ici là? Un, deux. Parfait. Non mais c'est par là qu'il faut que j'aille. J'aille tuer les mecs là. Non mais là je vais me faire tuer, c'est obligé. Le mec il va me virer direct. Il ne laissera jamais passer. Ah la vache. T'es obligé de prendre le coup, hein. Là je suis au zéro de vital. Je tape, je ne sais pas pourquoi. C'était ici. Je tape. Non mais donnez-moi.
Non mais vous êtes sérieux? Et donnez-moi l'œuf! Que je parte en pause pub! Non mais... Oh non mais non! T'es sérieux? Ouah, wow, il y a un étage au-dessus encore. Ah, c'est ça que j'avais pas vu. J'ai pas vu l'étage au-dessus. J'y retourne! Est-ce que t'as repopé, toi, gentille petite crapaud? Normalement, c'est pas grave. Là, il n'y a plus les ennemis chiants. Je les ai tous tués. J'entends le crapaud. Donne. Comme ça, ça peut me prendre un coup. Non, vraiment, je vous assure. Ce putain de... Ah, j'avais pas vu... Il y a un étage de plus, ça veut dire que je peux grimper. Je peux grimper quelque part là-bas sur moi. Voilà, c'est ça. En fait, la caméra se met dessus, mais c'est tellement... tellement pas instinctif. Voilà, je les ai tous tués. Fini ? Évidemment que non. Pourquoi tu te tournes, caméra de mes deux? Caméra. Oh, mais caméra. Je voudrais... S'il vous plaît. S'il vous plaît. On a compris. Ah, là voilà. Impeccable. Ouf. Elle essaye de se mettre bien, mais quand t'es derrière le mur... En fait, elle se cache elle-même. C'est vraiment relou. Parfait. J'ai chopé Lucie. Et j'ai tous les œufs ici. 70, c'est pas mal. Je m'excite de là. Je m'excite d'ici. Ah, la caméra est un peu... Attendez, avant de m'excite le level, je vais prendre ça. C'est 10, c'est gratos. Voilà, excite level. Voilà, on fait une pause. Et on se retrouve dans 5 minutes pour la suite de ce Let's Play Spyro. On avance. On va pouvoir faire toutes les gemmes, à mon avis. Et rusher du coup le dernier monde. Je pense que c'est rentable de faire ça. En plus on découvre un peu ce qu'il y a au début de ce jeu. Petite pause, on se retrouve tout de suite. A tout de suite.